pour expliquer sa musique. Et c'est une musique très expressive, très sensuelle, une vraie musique de théâtre. Par exemple, une œuvre comme Irlo a été créée à Cologne sous la direction de Klemperer. Et cette création était un événement international. C'est une musique, c'est d'abord une musique pour tout théâtre, vraiment. C'est une musique qui est très expressive, très sensuelle. Il y a une richesse de timbre qui est extraordinaire. Le chef d'orchestre a le grand privilège d'avoir la partition. Comparé aux musiciens qui n'ont que leur partie, comme chef d'orchestre, il faut avoir assez de respect pour les musiciens parce que c'est difficile de jouer la deuxième flûte. C'est vraiment difficile. Il s'agit de respirer avec les musiciens, donner les phrases. Il y a les cinq lignes, il y a les points noirs. C'est quelque chose d'abstrait d'abord. Et ce que nous faisons, c'est il faut traduire ce texte abstrait, il faut le faire vivant. Il y a d'abord dans cette musique, il y a des moments d'une beauté extraordinaire. Et il y a des moments d'un moment dramatique extraordinaire. Et c'est une œuvre, vraiment, dans mon avis, c'est une des grandes œuvres du XXe siècle.